Pichou! Oh, élève-toi, il est 5 heures! Mais la lumière, c'est agressant, je vois rien. Je vois rien. Bon matin! Donc, présentement, 5h30 du matin. On s'en va en bas déjeuner. Il y a déjà full monde au déjeuner, oh my god! Il y a plein d'affaires. Fait que il est 5 heures. C'est petit. Jusque là-bas. On a encore 2670 marches à monter pour se rendre dans le top du Machu Picchu. Avec une moitié de bouteille d'eau. Moi, je pensais que rendu ici, on était rendu, mais pas pendant tout. On va y arriver avec une chose qu'on a essayé de marche. Parce que les marches ici, c'est pas. C'est pas des marches. C'est pas des marches. Fait que là, on est rendu à moitié, je pense. J'espère. J'espère aussi. Amé, comment tu te sens? Sérieux, ça fait comme... 1h30 là? 1h30 qu'on monte. Ça fait genre 15 millions de fois qu'on pense qu'il nous reste genre une demi-heure de marche, mais jamais. Mais ça va vraiment la peine, mais en ce moment... La vue est quand même full. Ça, c'est des marches. C'est vraiment tough. Pour vrai, je pensais pas que c'était 2 heures de montée. Fait que... Bon. Je serais averti parce que dans aucun vlog, personne n'a jamais dit qu'il fallait monter 2600 marches. Ok, bye! Bye! Les dernières marches! On est arrivé! We'll be right back.
On a même un étang dans le passeport du Machu Picchu, c'est quand même. Là, on est genre brûlé, mort. Yeah, tout ce que tu veux. Il y a bébé chien. Il va se faire frapper pour la poule à sa poule. Pauvre bébé chien. C'est sûr, les autobus arrivent full vite, genre. Il va se tasser. Fait qu'en tout cas, on a hâte d'arriver, de manger. Tellement faim. On est brûlé, la sauve. Oh non! Capable des marches. Tu rêves de ce moment-là, genre. 2670, puis on a descendu. Puis on a remonté. 670, puis on a remonté. Ben, donc, je t'en ai. Eh, où est la porte? Dans mon manteau. Il est où dans mon manteau? Ami, j'ai même pas peint le piton. Oh. On recommence. Là, ça enregistre. Là, ça l'enregistre. C'est plus une édite vlog, mais je vais le voir. C'est bon. Ça enregistre? Là, ça enregistre. OK, vlog update. On est allé porter notre lavage à une petite madame. Il y a comme 5 minutes. Là, on est au resto sur une terrasse. Je viens de spotter la fille avec deux sacs de linge sale, une autre fille, on sait pas c'est qui. Donc, on sait pas trop, mais j'espère qu'on va avoir notre linge à soi. Sinon, on va faire vraiment dur dans la journée. Anecdote du moment. T'as-tu quelque chose à nous dire? Les fucking happy hour, ok. Approche-toi pas trop, t'es très proche. Ok, je dis pas fucking. Les tabarouettes. Non, juste les happy hour. Les happy hour. Les happy hour, qu'est-ce que c'est? Au Pérou, c'est comme la grosse mode. Tout est happy hour. Happy hour, ça veut dire, mettons, que t'achètes un drink, t'en as comme un deuxième gratuit. Là, dans la ville où qu'on est, c'est genre happy hour for one, genre. For one. Attends, je recommence. Ah, non, non, non! C'est pas juste dans la ville qu'on est, c'est dans partout. Genre, il y a des réseaux, c'est comme 2-1, 3-1, 4-1. Puis, il faut faire attention avec ça parce que des fois, un 4-1, là, la qualité d'alcool est cheap. Hein? Hier, là, c'était dégueulasse. Hein? C'est gastrique, là, le œufs. On avait pris un mojito, puis honnêtement, il était vert fluo, genre. Je sais même pas c'était quoi. Là. C'était tellement chimique, puis c'était dégueulasse. Tu sais, quand le drink te coûte une pièce et demie canadienne, là, pose sur les questions. Ouais. Fait qu'il faut faire attention avec ça. C'est bien fun hein, quand on voit ça, là. Mais... C'est vrai. On s'en va où, Amé? On va au marché. On va vous montrer le pont, comment il est sécuritaire. Ouais, peut-être. Puis le marché, c'est immense. Ben, je pense que j'ai filmé un peu hier, en tout cas. Ouais. C'est vraiment immense. Il y a quelques petits derniers achats à faire avant le départ. Je pense qu'on reviendra peut-être jamais. De demain matin. Je me garde des cadeaux, j'espère. Ami, on s'en va faire quoi? On va chercher notre argent pour là. Voilà! Pour faire laver 7 kilos de vêtements, ça nous a coûté 55 sols. Fait qu'Ami, faut revenir? Dans 15 minutes. Ah bon. Ok, bye. Bye! Happy Hour 4 pour on en parlait tantôt, là. Vous n'aurez jamais des drinks semblables à ça pour un 4 pour 1. Amé, t'as-tu ton lavage? On a notre linge! As-tu plié notre linge pour 55 sols? Ouais, elle a tout plié. Tout plié. Ben, je crois, elle a mis mes bancs ensemble. Bon. Il est tout chaud, il sent la sécheuse. Fait que. Du linge propre pour la jungle. Fait que là, c'est quoi le problème, là? On s'en vient de faire nos bagages pour aller dans la jungle quand on fait demain. On a-tu dit qu'on allait dans la jungle? Je sais pas. On s'en va dans la jungle. On s'en va dans la jungle dans un camp. Mais l'affaire, c'est que pour se rendre au camp, on a comme une petite ride d'une heure. Dans un petit chaloupe, genre. Petit bateau en bois. Tu j'appellerais ça un radeau avec un moteur. Ouais. Puis sur ce radeau-là, on a le droit, faut amener le minimum de choses. Parce que sinon, on risque de couler, genre. Mais Amélie Martin, pis. Quoi? Moi, on est des gens qui ont besoin de beaucoup de choses pour survivre. Fait qu'on capote un peu. Fait que là, c'est le bordel. C'est juste du linge d'été aussi qu'on amène parce qu'il y a. Il annonce combien dans la jungle? Ben, température ressentie avec l'humidité entre 45 et 50. On va mourir. Mais
Je sais pas pourquoi ça amène du linge, je devrais juste être tout nu. Ouais. Fait que là, on a hâte de finir, Yann. Là, Yann on a monopolisé son lit. Et genre, je peux pas me coucher, il est pas bien. Yann est pas bien. Il file pas bien, là. Bon matin, Eric. Bon matin, Yann. Pain aux bananes. Pain aux bananes. Il est délicieux, tu dis? Il est vraiment bon. On va s'essayer une petite omelette aussi. C'est un pancake, ouais, j'ai mangé hier. Puis tes jambes. À cause d'hier, hein? Oh, ouais. Moi aussi, j'ai mal au mollet un peu. Yann, il est top shape. Je suis top shape. Bon. L'athlète. C'est un départ. Bye bye, Aguas. Calientes. Vlog update. On quitte Cusco. On vient d'arriver à Cusco. En fait. Ouais, mais on vient d'arriver, mais on quitte pour revenir. T'es trop proche, là. T'es vraiment proche. On s'en va dans la jungle. Mais là, attends, c'est parce que la dernière fois, on était à Aguas, là. On est revenu à Cusco. On s'est pris l'autobus à Cusco pour Puerto Maldonado, qui est la jungle. Ce soir. Ce soir. Non, en 3 heures. Fait que là, on s'en va à la gare. Pour l'hospitalisation depuis 2 heures avec ce bagage, ce bagage, ce bagage, ce bagage, celle-là, celle-là, puis celle-là. Fait que on a genre. Ouais, on a 14 000 bagages, mais bon, on s'en va à gare, fait que on vous reparle tantôt. Log update, on est pogné à gare pour 3 heures. Parce qu'ils voulaient pas qu'on enregistre nos bagages. D'habitude, on peut, mais là, on pouvait pas. Inc. À 8, on part à 9. Fait qu'on fait un petit brunch ici. Brunch de soir. Brunch de soir à la gare. On sait pas si ça va être bon, mais ça a quand même l'air bon. Avec un petit cappuccino. Fait que, bon appétit. Direction la jungle. Et on a vraiment des bancs upgrade. Ils sont tellement plus gros, là. On va peut-être bien dormir en soir. On s'est pris genre deux bancs là, deux bancs là, deux bancs là pour bien dormir. Fait que dans 10 heures, on risque d'être dans le jeûne. Fait que à suivre.